Hey, what's up les gens, c'est GameZone, aujourd'hui on se retrouve pour toute la vidéo. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo sur Minecraft, et je vais en profiter aujourd'hui. Désolé, donc je vais en profiter aujourd'hui pour vous montrer donc ma maison que j'ai fabriquée il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs je l'ai fabriquée ce matin, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va dire que c'est une petite maison de luxe avec ascenseur dedans et tout. Donc si jamais vous voulez visiter, aller un peu sur un de mes serveurs et tout ce qui s'ensuit, mon nom sera dans la description, hein, donc mon PlayStation. Donc je peux jouer sur PlayStation, donc je peux jouer avec vous sur PlayStation 4, sur Mac et sur... Donc sur Mac c'est sur Funcraft, hein, vous m'envoyez un message sur Facebook et on peut se rejoindre. Et sur PlayStation, mon nom c'est Captain Killer 13. Voilà, donc tout ça ce sera dans la description. Ne vous en faites pas. Donc voilà un peu à quoi elle ressemble, cette petite maison. Parce qu'elle n'est pas très très grande. Donc je vais peut-être allumer la. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc, elle est magnifique, je trouve. Attendez, parce qu'il faut juste abuser la caméra. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour moi, personnellement, elle est magnifique. Donc, ici, j'ai laissé deux, trois petits morceaux de verre. Voilà. Alors, quand on rentre, il n'y a encore rien de spécial, hein. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Pour monter à l'étage, c'est pas compliqué. Vous allez voir. Je sais pas si vous voyez parce qu'en fait j'ai pas encore foutu. Attendez. Voilà. Je vais en foutre une ici. Et voilà. Donc voilà. Donc là logiquement vous voyez. Enfin j'espère. Donc là c'est un petit ascenseur. Donc c'est une sorte de petit ascenseur. Enfin un système de petit ascenseur. Que je vous expliquerai plus tard hein, si ça vous intéresse. Donc il suffit de faire clic droit sur le petit wagon. Enfin pour vous c'est un bloc mais pour moi c'est un wagon. Vous cliquez dessus. Donc vous voyez que je spawn dans un wagon. Vous donc descendez et vous appuyez sur X pour sauter. Voilà. C'est un petit système assez simple. Je vais dormir comme ça. Il fera un peu plus clair. Donc si vous voulez, je vous montrerai comment faire ce petit ascenseur assez spécial. Voilà, donc là on a un balcon, voilà. Franchement, elle est magnifique cette maison. Et pour descendre, vous faites clic droit, flèche du bas, et vous cliquez sur rien. Et vous allez descendre. Ça c'est grâce à la petite échelle qui est là. Et si j'enlève l'échelle, forcément le wagon va tomber. Voilà, donc ça c'était pour l'intérieur. Je pense que ça doit quand même faire mal. Je vais vous rendre une vue un peu plus agréable. Voilà. Alors, voilà. Donc ça, c'était pour l'intérieur. Pour l'extérieur, vous voyez que j'ai un peu coupé l'herbe. Bon, j'ai pas encore fini parce que ça pousse. J'ai une petite idée, foutre 2-3 moutons pour que ça disparaisse. Donc là, on a un petit jacuzzi. Hein, donc, vous pouvez le voir parce que... donc déjà, c'est pas très très grand. Et deuxièmement... Ta mère. Et deuxièmement, vous voyez qu'ici, il y a un petit rebord. Genre, quand le jacuzzi, là, il y a un petit rebord, et là, il y a un fond. Voilà. Ensuite, ici, donc, on a une piscine. Voilà. Qui est assez profonde. Voilà. Donc, j'ai fait en 3 couches. Blanc, un peu plus foncé, et beaucoup plus foncé. Alors, ça, par contre, je sais pas si vous voyez les plus foncés, les un peu plus foncés. Mais j'ai fait en 3 couches. J'ai fait bloc. Des blocs de quartz, laine grise et laine noire. Voilà, donc là c'est les plongeoires, donc du plus petit. Et là, il y en a un plus grand. Donc ça c'est la vue sur le côté de ma maison. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire cet petit ascenseur. Ce petit ascenseur, excusez-moi. Alors, vous... Attendez, je vais sauvegarder. Parce qu'après, ça va me casser les couilles. À tout casser.
Voilà, 2 petites secondes. Voilà. Alors, donc par exemple, moi je vais faire avec des blocs de quartz. Vous allez prendre du quartz. Vous pouvez même faire ça en survie. C'est hyper facile. Pas besoin de redstone. Une échelle et un chariot de mine. Vous allez venir donc. Là, ça dépend de votre étage. Hein, le nombre de blocs que vous allez mettre. Et ça changera rien. Par exemple, vous voyez, je peux faire cette hauteur-là. Vous allez voir que même si je fais cette hauteur-là, j'aurai besoin quand même du même matériel. Voilà. Alors là, vous allez venir poser un bloc. Avec votre échelle, vous allez venir le poser ici. Donc à l'avant-dernier bloc. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra un rail. Donc vous allez poser, vous allez mettre votre wagon. Ensuite, il est déjà parti. Vous allez mettre. Donc. J'arrive pas à le mettre comme ça, c'est pas grave. Vous allez donc mettre votre wagon, ensuite casser le bloc qui est en dessous du rail. Donc, vous voyez, vous avez le rail, vous posez, et ensuite là, vous cassez. Le rail va tomber, enfin le wagon. Ensuite, vous voyez, je peux descendre. Ouais, j'ai fait un petit peu trop haut, mais sinon, je vais monter. Voilà. Voilà. Et vous voyez que ça change. Rien du tout. Bon, par contre, là, j'avoue que c'est un peu haut. Donc, évitez de faire une maison que l'étage se trouve là en haut. Si vous voulez faire ce système. Donc, il y a d'autres systèmes de pistonnage, hein, bien évidemment. Il n'y a pas que celui-là. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur Minecraft, pas de problème. D'ailleurs, j'ai même une idée de concept. Dans la prochaine vidéo, je ferai une vidéo donc, sur Minecraft. On va se créer une partie en hardcore, donc tous ensemble. Enfin, on va se créer une partie en hardcore. Si jamais vous voulez rejoindre ma partie en hardcore, donc, puisque tout, si un jour je lance la partie, voilà, donc je fais une vidéo dessus, eh ben, je ne pourrai jamais aller dessus sans faire une vidéo. En gros, je suis obligé de faire une vidéo. Donc c'est pour ça que si vous voulez un jour me rejoindre dans ma partie en hardcore, bah comme ça vous passez un temps sur ma chaîne. Donc le nom sera donc de PlayStation sera dans la description puisque ça sera que sur PlayStation, donc PlayStation 4 et PlayStation Vita, parce que PlayStation Vita on s'est joué en ligne sur PlayStation 4 et inverse puisque j'ai 2-3 amis de PlayStation 4. Et voilà, donc le nom sera dans la description, donc vous m'invitez, vous m'envoyez un message en me disant salut, je suis pour la. Je t'envoie cette invitation pour la partie hardcore. Il n'y a pas de problème. Je vous dirai quand est-ce qu'on la fera, plus ou moins vers quelle heure. Et on se rejoint pour une partie hardcore hein, en multijoueur, qu'on la créera. Et même si vous n'êtes pas là, que je. Par exemple, donc je vais sur cette partie hardcore. Et que vous n'êtes pas là, ben, c'est pas grave, j'en ferai quand même une, même si je suis tout seul. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Hein, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu. Et peut-être on se verra sur PlayStation. Allez, peace!